Bonjour, je m'appelle Madame Deleu et je suis professeure de français au collège Jean Moulin. Et en fait, j'ai été mordue. Je commence à me transformer en loup-garou. Alors, j'ai fait appel aux élèves pour qu'ils viennent m'aider. Et lors d'un escape game, ils vont devoir trouver un antidote pour m'empêcher de me transformer complètement et de les dévorer tous. Bonjour, bienvenue sur Jean Moulin Info TV. Aujourd'hui, nous sommes avec les quatrièmes pour faire un escape game au CDI. On va aussi voir les cinquièmes. Les deux classes ont le même objectif. Délivrer la prof de sa malédiction de loup-garou. Sinon, elle risque de rester loup-garou pour toute sa vie. C'est dommage. Alors, trouvez la définition du mot loup. Vous voyez que ce mot a plusieurs significations dans les trois cartes contenues de l'enveloppe. Une seule ne représente. Ah, ça! C'est ça, je crois. Ah, ouais, peut-être. Alors, consigne, puis allez voir sous la table portant le numéro que vous venez de trouver de l'ennemi à l'ennemi de l'ennemi. Deuxième personne du singulier. Notez ici votre réponse. Il faut noter la réponse sur la feuille. Ça se passe. Super. Vous remplissez ici. Là, on doit chercher un livre des fables de La Fontaine pour pouvoir résoudre l'énigme suivante. Attends, L-A-F. Dans la manie à l'enlit, ça marche pas, donc... Ah, voilà, c'est bon. Bon, texte à trop. Forcément, un truc à faire. Alors... Que veut dire avoir une faim de loup? Il faut que j'aille chercher un dictionnaire. Avoir très envie, avoir très faim. Là, on va chercher, je crois, dans l'armoire 900, qui est histoire-géographie. Et on doit trouver un numéro. Enfin, on doit trouver un livre. Oh! Oh! Oh, c'est magique! C'est magique! Là, on est en train de chercher sur le site Robert un adjectif qualificatif parce qu'ils nous ont demandé sur la feuille de chercher pour pouvoir avoir la réponse aux énigmes. Allez, vous êtes une ingrate, ne retombez jamais sous ma patte. Voilà. Le loup et la cigogne, on superpose. Superpose, c'est la même chose. Donc ça donne. Il y a trois fioles. Laquelle je dois boire? La B. Ok. Moi, je sais pas si je prendrai. Merci beaucoup. Allez, madame.